Donc nous voilà toujours de retour sur le chantier de dévégétalisation. Donc de ce côté-là, façade sud, pas grand-chose. On a commencé à enlever les premiers pieds de lierre au ras du mur. Hein. Ils sont bien calés dedans, c'est pas facile. Et là enfin, on voit ce qui se passe derrière. Donc à l'avantage du cabanon, on s'aperçoit que là, on a un long mur en parpaing. Donc le rajout. Et là, c'est quoi? C'est le puits, avec l'ancien lavoir à côté. Le puits, bonne nouvelle, il va falloir le sécuriser, ça c'est la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que l'eau, elle est à plus de 7 mètres de fond, donc j'avais un peu peur, comme la ligne des puits du carrefour passait pile poil sous la maison, hein, que la maison soit sur l'eau, mais là, c'est pas du tout le cas. Donc on s'aperçoit que là il a failli y aller, il y a un voisin qui est venu avec la tronçonneuse parce qu'il y avait carrément des arbres de ce côté-là, du laurier. Donc, si on continue. On arrive effectivement à l'arrière de la maison. Donc la longère elle est là, ce que vous voyez devant la première tôle, c'est effectivement le garage qui court tout le long de la maison. Et là, le boulot maintenant, ça va être d'enlever effectivement toute cette terre et tout ce lierre qui est monté sur la toiture.